Bienvenue à cet atelier d'Hatha Yoga pour délier le dos. Pour la séance d'aujourd'hui, je vous invite à avoir un tapis de yoga, encore une fois une couverture assez épaisse, des blocs, deux blocs de préférence ou bien une chaise, mais comme je vous dis, les blocs sont vraiment utiles ici, une sangle de yoga ou une sangle de robe de chambre. Pour commencer la séance, on veut toujours commencer doucement, prends le temps de se centrer sur soi et sur sa respiration. Donc, je vous invite tranquillement ici à vous coucher sur le dos. Prenez le temps de vous coucher tranquille, doucement sur le côté. Vous tournez sur le dos et par la suite, allongez les jambes, étirez les bras et fermez les yeux tranquillement. Assurez-vous d'être confortable au sol. Ajustez la posture au besoin. Prenez le temps ici de fermer les yeux et inspirez lentement par le nez. Expirez également lentement par les narines pour vraiment vous permettre de bien filtrer l'oxygène, autant à l'entrée qu'à la sortie. Prenez le temps de sentir à chaque inspiration que vous emplissez votre corps d'oxygène et qu'à l'expiration, vous permettez à votre corps de se détendre, de se relâcher complètement au sol. Prenez également un petit instant ici pour ressentir les sensations présentes au niveau de votre dos. Est-ce que certaines tensions sont présentes? Est-ce que je me sens bien au niveau de mon dos? Que j'ai certains inconforts. Ici, je prends conscience de comment je me sens sans jugement, sans avoir d'attente spécifique, donc aucune crainte associée à ce que je ressens actuellement. C'est un peu ici juste comme une image, une photo que l'on regarde, qu'on analyse. Je prends également le temps ici de me centrer sur ma respiration, de trouver le rythme de respiration qui me convient. Doucement, à l'expiration, je vais vouloir fléchir les genoux. Apporter au départ les pieds près des fessiers. Par la suite, je vais ramener les cuisses près du tronc. Je viens tenir soit l'avant des jambes ou l'arrière des cuisses avec les mains, comme c'est le plus confortable. Je balance tranquillement d'un côté à l'autre. Je reviens ici tranquillement au centre et je vais déposer les pieds au sol pour ensuite me tourner tranquillement en position fœtale du côté de mon choix. Je prends le temps ici de me recroqueviller, juste de relaxer tranquillement.
de toujours ressentir ma respiration calme, profonde. Et à l'inspiration, je vais vouloir tranquillement pousser les mains dans le sol pour redresser le tronc. Et ici, je veux m'installer à quatre pattes. Si j'ai des douleurs au niveau de l'appui des genoux au sol, je vous invite à prendre votre couverture. Juste garder une petite épaisseur de couverture sur votre tapis pour vous permettre de déposer les genoux et vraiment d'être confortable tout au long de la posture. Je me place à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux vis-à-vis les hanches. Ici, je veux faire la posture du chat, donc j'inspire bien. À l'expiration, je laisse le mouvement partir du bassin. Le coccyx s'en va vers le sol et j'enroule ici tranquillement, vertèbre par vertèbre. Et je laisse la tête à la toute fin descendre. J'inspire. Ici, je veux creuser le dos à partir du bassin. Les fessiers se redressent vers le plafond. Je laisse une vertèbre à la fois bouger pour me permettre ensuite de redresser la poitrine, redresser la tête. J'expire, je repars doucement. Prenez le temps vraiment d'exécuter la posture, d'aller chercher la mobilité de toutes les vertèbres de la colonne vertébrale. On a toujours une zone un peu plus facile à bouger. Donc ici, on veut tranquillement permettre à toute la colonne vertébrale d'être souple, en quelque sorte. Et je le répète une dernière fois, j'expire, je courbe le dos tranquillement. Et j'inspire, je creuse le dos. Vertèbre par vertèbre. Tranquillement, je vais vouloir maintenant porter les fessiers près des talons. Allonger les bras devant si c'est confortable. Déposer le front au sol. Ou bien déposer le front sur les mains pour la posture de l'enfant. Ici, je prends le temps de sentir le bas du dos qui se relâche, qui s'étire peu à peu. Et tout le tronc qui se détend vers les cuisses, vers le sol. Tranquillement, à la prochaine inspiration, je vais réétirer les bras devant. À l'expiration, je redresse le tronc, je reviens placer les mains sous les épaules, genoux vis-à-vis les hanches. Ici, tranquillement, je vais vouloir inspirer, étirer la jambe droite vers l'arrière sans l'allonger vers le plafond, vraiment juste contracter le fessier. Et à l'expiration, je ramène la jambe, le genou vers le tronc et le front tranquillement vers le genou. J'inspire, je reprends même chose, je ramène le dos droit, j'étire bien la jambe. J'expire, je ramène le front vers le genou et le genou vers le front. Dernière fois ici, j'inspire, j'étire de ce côté. J'expire, je ramène tranquillement la cuisse vers le tronc. Et je dépose ensuite tranquillement le genou au sol. Je retrouve la position du dos bien droit, les mains sous les épaules, les doigts bien en ouverture. Et j'inspire, cette fois-ci, c'est la jambe gauche que j'étire tranquillement. Expire, je ramène tranquillement le front vers le genou. J'inspire, j'étire. J'expire. J'inspire, j'allonge, dernière fois. J'expire, j'enroule tranquillement. J'ai ainsi redéposé les genoux au sol, dos bien droit. Et j'expire, je reviens juste un petit instant dans la posture de l'enfant pour relâcher encore un peu plus le bas du dos. Soit le front est au sol, soit je dépose toujours les mains l'une sur l'autre pour y déposer le front.
Je profite toujours de la posture de l'enfant pour me recentrer sur ma respiration, m'assurer de revenir à un rythme qui m'est confortable, ni trop rapide, ni trop lent, juste pour être bien. À la prochaine inspiration, je vais apporter les mains sous les épaules, près des genoux, et j'expire, je déroule lentement, vertèbre par vertèbre, jusqu'en haut. Ici, tranquillement, je vais vouloir m'asseoir sur ma couverture. Donc, je vais replier la couverture pour pouvoir m'asseoir les jambes croisées. Les fessiers vraiment en appui sur la couverture pour s'assurer de maintenir le bassin stable, garder le bas du dos bien allongé. On veut tranquillement ici basculer un fessier à la fois vers l'arrière pour s'asseoir vraiment sur nos ischions, les petits os pointus du bassin. Ici, tranquillement, j'allonge bien mon dos, je garde les épaules basses et j'inspire, j'allonge les bras vers le haut. À l'expiration, j'ai déposé la main droite au sol et je pousse la main droite dans le sol. Je garde les deux fessiers bien en contact au sol et j'étire le bras gauche ici. Je respire calmement. Je prends le temps de sentir l'étirement. C'est vraiment l'objectif, c'est d'amener la main vers le plafond. On étire le côté du tronc ici. Et tranquillement, à l'expiration, je vais apporter les épaules vers le sol. Et je laisse le bras descendre légèrement pour aller vers le coin. Ici, l'objectif est de venir étirer un petit peu le carré des lombes, qui est un muscle entre le bassin et les dernières côtes qui permet d'incliner le tronc. Ici, on va chercher le mouvement opposé pour nous aider à venir l'étirer et libérer les tensions qu'on peut ressentir à ce niveau dans notre dos. À l'inspiration, je ramène les épaules vers l'avant. J'expire, je redresse le tronc et j'abaisse le bras gauche. J'inspire de nouveau, j'étire les bras vers le haut et j'expire, j'incline tranquillement. Main gauche qui se dépose au sol et je pousse la main gauche dans le sol pour étirer le bras. Et j'étire bien le bras droit vers le plafond. La respiration est toujours bien présente. On s'assure de ne pas bloquer celle-ci. Et à l'expiration, tranquillement, j'amène les épaules vers le sol. J'étire le bras vers le coin. Donc, pas vers le sol, je veux vraiment aller vers l'avant. J'étire ici un petit peu le carré des lombes. Et tranquillement, j'inspire, je ramène les épaules vers l'avant, j'expire, je redresse le tronc tranquillement. On peut enlever maintenant la couverture. On va revenir se placer dans la posture de l'enfant pour pouvoir tranquillement prendre la posture du V inversé. Donc, pourquoi je fais partir de la posture de l'enfant? C'est qu'en fait, ça nous permet d'avoir la bonne mesure, la bonne distance entre nos mains et nos pieds pour le V inversé. Donc, j'étire tranquillement les bras en gardant les fessiers le plus près possible des talons. Tranquillement, ici, j'inspire, je redresse les épaules au-dessus des mains. J'ancre les orteils au sol et j'expire, je pousse ici en V inversé. Je peux placer les mains un petit peu plus larges que les épaules au besoin, j'ouvre les doigts. J'étire les bras, je pousse les fessiers vers l'arrière et j'amène vraiment, tranquillement, les talons vers le sol. Pour nous aider à créer un peu plus d'étirement et de bien-être dans le dos, je vous invite à piétiner légèrement sur place, c'est-à-dire à apporter le talon droit vers le sol et fléchir le genou gauche, pour ensuite aller de l'autre côté tranquillement. On prend le temps d'amener le talon vers le sol, comme c'est possible pour nous, de fléchir le genou opposé. On fait une dernière fois de chaque côté. Et ensuite, on va pouvoir juste fléchir les deux genoux, pousser un peu plus les mains dans le sol, tendre les bras.
Et tranquillement, l'expiration, je regarde mes mains, je vais marcher vers mes mains. Je prends le temps ici de relâcher complètement la tête en bas, de laisser les bras, le dos se relâcher complètement. Et ici, je vais maintenant fléchir les genoux, expirer, dérouler lentement, vertèbre par vertèbre, jusqu'en haut. Et j'étire vraiment complètement le dos. Je vais vouloir ici prendre mes blocs pour les placer devant. Donc, je vous invite à les placer vraiment vers l'avant du tapis et à vous placer pied largeur des hanches. Ça pourrait être ici qu'on utilise une chaise. À ce moment-là, on placerait la chaise de la même façon. En fait, c'est-à-dire qu'on voudrait avoir accès à l'assise de la chaise quand on va s'incliner. Donc, au lieu de déposer les mains sur les blocs, ça serait sur l'assise. Mains sur les hanches, pieds largeur des hanches. Donc, important, n'exagérez pas l'ouverture des pieds. On veut vraiment que les pieds soient à l'intérieur du bassin. On s'assure d'avoir le poids bien réparti au niveau des pieds, autant à l'avant qu'à l'arrière. Talons bien ancrés au sol, la base des orteils également devant bien ancrée. Mains sur les hanches, j'inspire, je pousse les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le sol pour pousser la poitrine vers le plafond. J'expire, j'enroule tranquillement, j'incline le tronc, je viens déposer les mains sur les blocs. J'inspire ici, je redresse tranquillement la tête, la poitrine. Je veux vraiment bien allonger mon dos. M'assurer que mes hanches, genoux, chevilles restent sur une même ligne. Je ne déporte pas le poids vers l'avant. À l'expiration, j'essaie de laisser le dos descendre légèrement en le gardant bien droit, menton vers la poitrine ici pour nous aider à maintenir la tête dans le prolongement du tronc. Je vais sentir ici que j'étire l'arrière des jambes, l'arrière des cuisses, les fessiers et également le dos. Donc toute la chaîne postérieure ici est étirée de chaque côté. Et ici, j'inspire, je redresse maintenant la tête, la poitrine, j'apporte les mains sur les hanches et j'expire, je redresse le tronc doucement. Je vais vouloir maintenant déposer le pied droit devant, entre les blocs. Je m'assure d'être resté largeur des hanches, donc au besoin, je replace les blocs. Je vais glisser le pied gauche derrière et je vais ramener le talon à la toute fin légèrement vers l'intérieur. C'est un petit mouvement. Les hanches sont restées vers l'avant du tapis, mains sur les hanches. J'inspire, je pousse encore une fois les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le sol pour pousser la poitrine vers le plafond. J'expire, tranquillement, j'incline le tronc en poussant toujours le fessier droit vers l'arrière. Je dépose ici les mains sur les blocs, blocs sous les épaules. Donc, au besoin, je réajuste la position. J'inspire, je redresse ici la tête, la poitrine, je pousse le fessier droit vers l'arrière pour m'aider à avancer la hanche gauche. Et j'expire, j'essaie d'aller un petit peu plus bas, ramenant mon menton vers la gorge. Je respire ici calmement. C'est une posture un petit peu plus difficile ici qui demande un peu plus d'effort. Donc, dosez le tout. Si vous êtes inconfortable, ressortez de la position un peu plus rapidement. À la prochaine inspiration, je redresse la tête, la poitrine. J'apporte les mains sur les hanches et j'expire, je redresse le tronc tranquillement. Ici, je vais fermer doucement la position des pieds pour me placer de l'autre côté. Je vais déposer le pied gauche devant, le pied droit derrière, le talon légèrement vers l'intérieur. Je m'assure de ramener les hanches vers l'avant et que ça soit confortable. Mains sur les hanches, j'inspire, je pousse la poitrine vers le haut. Les épaules vers l'arrière et vers le sol et j'expire, j'incline tranquillement. Je vais déposer les mains sur les blocs ou bien sur la chaise. J'inspire, je redresse la tête, la poitrine. J'expire, je laisse le fessier gauche partir un peu plus vers l'arrière pour m'aider à garder le bassin stable. Menton vers la gorge encore une fois ici. Je pousse les mains dans les blocs ou dans la chaise pour garder le haut du dos bien droit.
Tranquillement ici, je vais vouloir inspirer, redresser la tête, la poitrine. Apporter les mains sur les hanches et expirer, redresser tranquillement. Et ici, je vais vouloir refermer les pieds. Encore une fois. Je vous invite maintenant à laisser les blocs de côté et à vous installer à l'avant de votre tapis. Pied largeur des hanches, on prend le temps de toujours bien répartir le poids au niveau des pieds. Pardonnez-moi. Le bassin en position neutre, donc coccyx vers le sol, pubis vers le nombril. Le dos bien allongé, menton vers la gorge. Ici, tranquillement, j'inspire, j'allonge les bras vers le haut. J'expire, je plonge doucement vers l'avant. Inspire, étire le dos droit, regarde devant. À l'expiration, je vais venir fléchir les genoux, déposer les mains au sol et je vais reculer. Ici, déposer un genou à la fois pour prendre la posture de l'enfant bien confortablement. Soit les bras sont allongés devant, soit les mains déposées l'une sur l'autre pour déposer le front. Et je relâche un petit instant ici. Je m'assure de bien respirer, de laisser tranquillement le tronc à chaque expiration se détendre un peu plus contre les cuisses et vers le sol. Je prends le temps ici de ressentir comment je me sens présentement au niveau de mon dos. Est-ce que je sens déjà un peu plus de détente par rapport à ce que j'ai ressenti au début de la séance? Tranquillement ici, je vais vouloir amener les mains près des genoux. Et dérouler ensuite lentement, vertèbre par vertèbre, jusqu'en haut. Et redresser la tête complètement. Je vous invite à reprendre votre couverture pour vous asseoir sur celle-ci. Et on va avoir besoin de notre sangle. La sangle, ça peut toujours être une sangle de robe de chambre ou bien si vous en avez une spécifiquement de yoga, ça fonctionne. Pour certaines personnes également qui ont des ceintures de karaté, ça peut très bien faire l'affaire également. Donc, à vous de choisir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Donc, pour cette posture, la posture qu'on va vouloir faire, qui s'appelle Paschimottanasana, on veut tendre les jambes vers l'avant. Prends le temps de basculer un fessier à la fois vers l'arrière pour vraiment s'asseoir sur nos ischions, les petits os pointus du bassin et vraiment placer le bassin en position neutre, garder le bas du dos bien allongé. Ici, je vais déposer la sangle au niveau des pieds et pousser les pieds contre la sangle. J'inspire, donc je soutiens bien la sangle de chaque côté avec les mains. Je vais redresser le tronc, le dos le plus droit possible. J'essaie d'amener ici les épaules au-dessus des hanches. Donc, on veut être ici. Venir allonger le dos le plus possible. Et tranquillement, j'inspire, menton vers la gorge, garde les épaules basses. Je vais expirer, tenter d'incliner légèrement le tronc vers l'avant. Je ne veux pas aller loin parce que je ne veux pas enrouler le haut du dos. Je veux garder vraiment le haut du dos le plus droit possible pour étirer toute la chaîne postérieure. Donc, je prends le temps ici d'inspirer, vraiment de redresser le plus possible la tête, la poitrine. J'expire, je laisse le tronc descendre, menton vers la gorge. Et je prends le temps de rapprocher les mains des pieds pour tendre bien les bras et pour aider à vraiment étirer le haut du dos, s'assurer qu'on garde le tronc bien droit. Respiration calme le plus possible. On s'assure ici de ne jamais bloquer la respiration, très important, pour ressentir vraiment une détente à chaque expiration. Tranquillement ici, j'inspire, je vais vouloir redresser la tête, la poitrine. Expirer, redresser le tronc progressivement.
et je vais laisser la sangle maintenant de côté. On est toujours assis bien confortablement à l'avant de notre couverture. Ici, ce qu'on veut maintenant, c'est faire une torsion au niveau du tronc et on va utiliser les jambes pour nous aider. On va vouloir fléchir la jambe droite, déposer le pied près du fessier et tranquillement, par la suite, transférer le pied de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, c'est vraiment m'aider à ramener le pied droit le plus près possible de ma cuisse. Je peux, pour que ça soit confortable, au lieu de garder la jambe vraiment droite, on peut ici l'incliner. Donc, la jambe gauche est un petit peu vers l'intérieur pour être confortable. Ici, on veut déposer par la suite la main droite derrière, bout des doigts. J'inspire, j'étire le dos le plus possible, menton vers la gorge. Je prends le temps de garder à l'expiration la cuisse le plus près possible du tronc. J'inspire, j'étire le bras gauche vers le haut. J'expire, je viens soit déposer le coude au niveau de la cuisse ou bien j'enroule avec le bras la cuisse comme c'est le plus confortable. J'inspire, je réétire encore un peu plus le dos. J'étire bien la jambe gauche et j'expire, je laisse l'épaule droite aller un petit peu plus vers l'arrière et là, j'essaie d'aller chercher la torsion. Très important, on veut maintenir le bas du dos bien allongé. Je pense à m'étirer le plus possible, à respirer calmement. Tranquillement ici, je prends le temps d'inspirer une dernière fois dans la position. Expirez lentement. Et j'inspire, je ramène le regard devant. J'expire, je ramène les épaules, les bras. Et je prends le temps de repasser la jambe de l'autre côté, d'étirer les jambes. Juste pour pas qu'il y ait de tension dans les jambes, on va juste faire ce que moi j'appelle les essuie-glaces. On étire les jambes, on les espace, puis on les laisse balancer de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, je reviens tranquillement au centre. On va vouloir maintenant faire la torsion de l'autre côté. Donc, je vous invite toujours à vous asseoir confortablement sur votre couverture. Basculez toujours de nouveau un fessier à la fois vers l'arrière pour vraiment sentir le bassin bien stable et le dos bien droit. Donc, si vous sentez que vous êtes un petit peu enroulé, c'est un peu plus dangereux pour le bas du dos, surtout lors de la torsion. Donc, je vous invite vraiment à soit utiliser couverture, puis même mettre un coussin supplémentaire pour vous aider à ce que ça soit plus confortable. Ici, on va vouloir croiser cette fois-ci la jambe gauche. J'ai un petit doute. Je vous ai fait croiser ici la jambe droite, donc c'est bien la jambe gauche. Pardonnez-moi pour le petit doute. On est toujours mieux de se double vérifier. C'est correct de faire des erreurs. Donc, vous voyez, juste en profiter pour vous dire, c'est normal de faire des erreurs, c'est normal de ne pas être certain dans toutes les postures. Prenez le temps de vous installer, prenez le temps d'écouter mes consignes. Il n'y a pas de stress en yoga, on est vraiment là pour se faire du bien, pour être à l'écoute de son corps. Donc, permettez-vous, vous aussi, d'avoir droit à l'erreur ou d'avoir droit d'hésiter au niveau de certains éléments des postures. On vient passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On s'assure d'avoir le dos bien droit et allongé. Je viens déposer ici la main gauche derrière. J'inspire, j'étire le bras droit vers le haut. Et je viens déposer le coude ou l'avant-bras au niveau de la cuisse. J'inspire, j'étire le dos droit le plus possible et j'expire. J'essaie d'aller chercher la torsion, cette fois-ci en amenant l'épaule gauche vers l'arrière. La tête suit le mouvement de la torsion. Je ne force pas la tête à tourner davantage. Je veux juste que ça soit confortable. Tranquillement, ici, j'inspire, je ramène le regard devant. J'expire, je décroise. En fait, je ramène le tronc vers l'avant et je décroise la jambe.
J'étire la jambe doucement. Je peux les espacer un petit peu et laisser aller encore les jambes de chaque côté. Par la suite, on va pouvoir relâcher tranquillement. Je vous invite à descendre sur votre couverture. Vous allez pouvoir la laisser complètement de côté. On veut s'assurer d'avoir notre sangle avec nous et on va revenir se coucher en fait sur le dos. On se couche tranquillement sur le côté. Ensuite, je vous invite à tourner sur le dos, donc déposer les épaules au sol, déposer les pieds et basculer le bassin au sol. C'est la façon la plus confortable pour ne pas créer de pression ou de douleur au niveau du dos. Par la suite, juste avant d'enchaîner avec la prochaine posture, on peut ramener encore une fois les cuisses près du tronc et juste ici, balancer un petit peu d'un côté à l'autre. Je reviens ensuite tranquillement au centre. Je dépose les pieds au sol et je vais étirer les jambes complètement. Ici, je vais sentir que je garde les pieds largeur des hanches et c'est comme si mes pieds poussaient contre le mur. Donc, c'est la même chose que si j'étais debout, en fait. Je vais tendre les jambes. Je vais m'assurer d'amener légèrement coccyx vers mes talons. Donc, je ne vais pas laisser trop le dos décoller du sol. Je vais au contraire le rapprocher un petit peu du sol pour que ça soit confortable et que le dos soit vraiment bien allongé. Ensuite, je vais prendre la sangle dans mes mains. Je vais vouloir ensuite fléchir tranquillement le genou droit et relever la jambe pour venir placer la sangle au niveau du pied. On apporte la sangle un peu plus près du talon et ensuite, on veut étirer la jambe comme c'est possible pour nous vers le haut. Il est fort possible que le genou reste fléchi. Et il n'y a pas de problème ici. Il ne faut vraiment pas tenter d'allonger complètement la jambe. Il va comme c'est possible pour nous. Et que ça soit confortable. Donc, on veut sentir un léger étirement à l'arrière de la jambe, à l'arrière de la cuisse et au niveau du fessier. On ressent moins, je vais le dire, l'étirement au niveau du dos. Mais sachez que ça vient étirer vraiment votre dos également. C'est pourquoi je vous invite à faire cette posture et le fait de relâcher au niveau de l'arrière des cuisses, ça apporte beaucoup de détente également dans le bas du dos. Donc, on est ici, on sent qu'on pousse la jambe droite vers le haut et j'étire bien la jambe gauche au sol. Portez attention le plus possible à sentir que vous maintenez les deux hanches à peu près au même niveau. La hanche droite veut se relever. On peut appuyer avec la main droite là, sur la cuisse pour sentir qu'on veut abaisser la hanche et sentir qu'on apporte notre fessier vers le mur, vers l'extrémité du tapis. Prends le temps vraiment d'être confortable ici. Et tranquillement, ici, j'inspire. À l'expiration, je vais vouloir fléchir le genou, enlever la sangle au niveau du pied. Déposer le pied au sol et étirer la jambe également. Je prends le temps de relâcher ici un petit instant pour ressentir l'effet de la posture. Et souvent, ici, je vais vraiment sentir maintenant la jambe droite qui semble plus longue que la jambe gauche. J'ai l'impression vraiment que le bassin du côté droit est enfoncé dans le sol. Le fessier est fondu dans le sol. Et prenez le temps de ressentir, est-ce que vous sentez également un peu plus de détente au niveau du dos du côté droit par rapport au côté gauche? Tranquillement, l'expiration, je vais vouloir reprendre la sangle dans mes mains. Replacer les pieds largeur des hanches, très important, les pieds alignés avec les hanches. Et par la suite, je vais fléchir doucement le genou gauche ici. Redresser le pied pour venir placer la sangle près du talon. Et j'inspire, je vais vouloir étirer la jambe vers le plafond. Les orteils sont vers la jambe, vers le sol, le talon vers le plafond. Je respire bien, je prends encore le temps de sentir que j'abaisse la hanche gauche ici pour m'assurer de maintenir le bassin bien stable.
Les épaules sont basses, je maintiens bien les omoplates en contact au sol. Je m'assure de ne pas forcer à outrance avec les bras. C'est pourquoi je privilégie d'avoir les bras allongés, juste pour dire les coudes un petit peu fléchis. Je ne veux pas avoir les coudes en appui au sol, c'est beaucoup plus forçant pour les bras de cette façon. Je prends le temps de bien sentir l'étirement derrière la jambe, derrière la cuisse, au niveau du fessier également. Je peux ressentir peut-être un petit peu d'étirement au niveau du dos. Et ici, j'inspire bien. À l'expiration, je vais fléchir tranquillement le genou. Déposer le pied au sol. Donc, on a mis la sangle de côté. On peut la déposer au sol également. Et ici, je veux relâcher les bras, relâcher les jambes et prendre le temps de ressentir maintenant comment je me sens du côté gauche. Est-ce que je sens ma jambe aussi qui s'est allongée de ce côté? Est-ce que le bassin est bien relâché de chaque côté également? Quelles sont les sensations au niveau de mon dos? Et je vous invite ici à rester dans la position pour le Shavasana, pour vous permettre ici de relaxer complètement et de ressentir l'effet des postures exécutées aujourd'hui sur tout le corps, mais principalement au niveau du dos. Ressentez vraiment qu'à chaque expiration, vous laissez toujours davantage votre dos se relâcher au sol. Et par la suite, vous laissez les autres segments de votre corps se détendre. Commençant par la tête, ensuite les bras et les jambes. Comparez les sensations présentes actuellement au niveau du corps par rapport au début de la séance. Constatez à quel point les postures exécutées ont fait du bien au dos, mais également aux autres zones du corps. Ressentez l'état de calme présent à l'intérieur de vous. Et prenez le temps pour les prochaines minutes pour relaxer ici et vraiment apprécier chacune de ces sensations agréables. Peu à peu, je vous invite à bouger les doigts, les orteils. Laissez tranquillement votre corps se remettre en mouvement, se réactiver peu à peu. Et lorsque vous vous sentez prêt, prête, je vous invite à fléchir les genoux, à porter les pieds près des fessiers pour tranquillement
Vous tournez du côté de votre choix en position fœtale. Et à l'inspiration, je vous invite à pousser tranquillement les mains contre le sol pour redresser le tronc et vous asseoir confortablement sur votre couverture. Prenez le temps de rebasculer un fessier à la fois vers l'arrière, redéposer les mains sur les cuisses et d'allonger bien le dos. À l'expiration, je vous invite à fermer les yeux de nouveau. Et prends le temps ici de vous remercier d'avoir pris ce moment pour apporter de la détente et du bien-être à tout votre corps, mais ici principalement à votre dos. Ressentez tout le bien-être présent et sachez que ce bien-être s'est créé grâce à vous. Est présent grâce à vous. Et ici, je vous invite à ouvrir les yeux progressivement. Et à la prochaine inspiration, on veut ici étirer les bras vers le haut, étirer le dos. Expirez, laissez les bras descendre tranquillement. Inspire, j'allonge les bras, j'étire le dos de nouveau. Et j'expire, je laisse les bras descendre. Et une dernière fois ici, j'inspire, je viens joindre les mains ensemble en haut. Et j'apporte tranquillement les mains au cœur. Namasté. Merci beaucoup d'avoir fait cette séance. J'espère qu'elle vous a fait le plus grand bien. Pratiquez cette séance aussi souvent que vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à varier, il y a différents types d'Hatha Yoga que je vous ai créés. Donc, trois ateliers différents. N'hésitez pas à les essayer, à les pratiquer au courant de vos semaines pour vous aider à ressentir vraiment une détente et un calme à l'intérieur de vous. Merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine.